Alors, l'exposition Histoire de filles se passe en deux temps. D'abord, on est au temps de l'enfance où l'imaginaire joue un grand rôle pour aider l'enfant à négocier son rapport au monde. Il y a beaucoup de fantasmagorie, beaucoup de couleurs. On traverse littéralement de l'autre côté du miroir. Et ensuite, on arrive à l'adolescence. Et là, le paysage change. On est dans un décor de froid, de glace. Et c'est une façon d'accentuer la déconcertante étrangeté de cette période-là. Alors, dans les deux séries, il y a énormément de poésie. J'ai cherché vraiment à illustrer ce qui se passe à la fois dans la tête des enfants, à la fois dans la tête des jeunes filles.